Hop là, je vous fais une petite confidence sans transition. Je suis actuellement dans mon lit pour faire cette vidéo. J'avais la flemme d'aller ailleurs. Mais c'est la magie d'Internet et c'est la magie euh, des vidéos informatives parce que le fond... Est plus intéressant que la forme, enfin plus important que la forme. On est parti jour 12, enfin c'est pas jour 12, c'est jour 11 parce qu'on a fait le 7e et le 8e en même temps donc on est sur les bons plans étudiants du 12e arrondissement de Paris. On est parti, c'est assez intéressant, franchement. Comme d'habitude, les catégories s'affichent à l'écran et nous on enchaîne tout de suite par euh, la bibliothèque, tout à fait. La ville de Paris préconise. Dans le 12e, la, la médiathèque Hélène Mais Bah écoutez, c'est assez drôle. Je, je sais pas pourquoi j'étais en train de phaser sur euh, les horaires. Mais un jour sur deux, ça ouvre à 10h ou à 13h. Bon. Ce qui fait qu'un vendredi, ça ouvre à 13h. Mais un samedi, ça ouvre à 10h. Bon, voilà. Est-ce que c'est cohérent Peut-être pas. Peut-être pas. Mais bon. Écoutez, à la mérite d'exister, il y a le wifi, il y a des toilettes au deuxième, troisième... Non, au deuxième, quatrième et cinquième étage. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Sans doute parce que je lis ce qui se passe hein, euh, en direct. Et puis voilà, rien de spécial. Hein. On peut enchaîner sur les lieux où se poser slash tafé. Euh, bon, on est parti sur le Ground Control. Accent de fou. Non mais bref, accent de fou, bref. C'est très hipster, c'est très douzième. C'est un hangar, concrètement. C'est un hangar géant avec une terrasse géante, une entrée, on dirait... Euh, un échafaudage <laughs> Ils on dirait un taudis, tu prends des escaliers en fer, on dirait que, que tu te retrouves sur un, sur un chantier. Mais bon, la vibe est intéressante, il y a des expos très souvent, mais il y a surtout des kilomètres de table. Enfin, c'est géant, euh, il y a de tout, il y a aussi euh, des bars, des restos, des expos. Enfin voilà, vous pouvez y aller en journée bah, pour vous poser là-bas pour taffer. Moi je sais que je connais celui-là parce que j'ai été aller avec mes amis, mes amis de lycée et tout. Donc euh, intéressant. Je trouve ça sympa. Mais du coup, si vous avez bien compris, il se retrouve aussi dans le côté activité et visite. C'est un deux en un. C'est un peu euh, comme euh, la lessive, quoi. C'est assoupissant et lessive. On propose des trucs, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Dans le 12 e niveau resto, j'ai pas trouvé. Mais en vrai, ça m'étonne. Ça m'étonne. En vrai, je vais peut-être chercher deux secondes, rechercher un truc, me remettre dans la. Parce que dans le 12 ça m'étonne que je n'ai rien trouvé. Vas-y, on va, on va tester, je coupe. Et si je relance à la cam et qu'il y a un truc, fiesta. Bon, euh, j'ai fait un tour. Je me suis repris un 15 minutes. J'ai rien trouvé. Trop bizarre. Donc là, s'il vous plaît, je fais appel à vous. Je fais appel à la communauté. Trouvez-moi un, un petit bon plan. Soit un resto pas cher. Soit un resto qui fait des formules étudiantes. Dans le 12e. Parce que je n'ai rien. Je m'avoue vaincu. Non, mais voilà. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. On ne va pas s'acharner. On ne va pas faire euh, le mec qui ne supporte pas de ne pas avoir la réponse. Je n'ai pas la réponse. On passe tout de suite aux activités à faire dans le 12e. Écoutez, la coulée verte. La coulée verte, c'est génial. Pourquoi Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une euh, balade. Une balade. De marchande, ouais, je sais pas, une marche en hauteur et qui se fait aussi sur euh, les chemins de fer. Je suis pas convaincu là, je suis pas convaincu. Hein. Je vais regarder tout de suite la coulée verte normalement. Enfin, je vais regarder une vraie définition, mais c'est les anciennes voies ferrées normalement. Anciennes voies ferrées, il y a des moments aussi qui en hauteur et tout. Je clique dessus. Alors, la coulée verte ou promenade plantée, voilà, j'avais dit promenade, est une ancienne voie ferrée qui parcourait l'est parisien jusque dans le 77, entièrement piétonnisée. Entièrement piétonnisée, elle offre un environnement verdoyant au cœur de la ville grâce à un parcours long de 5 km jusqu'au château de Vincennes où vous pourrez continuer votre course à travers le bois si vous le souhaitez. Le bois de Vincennes j'en parle juste après. Mais voilà, c'est euh, une grande promenade de 5 km à faire entièrement à pied avec plein de verdure et tout. T'as une, euh, une partie euh, principale qui est dans le 12e. Donc euh, voilà, je voulais vous en parler parce qu'elle traverse le 12e et euh, c'est original et on n'en parle pas beaucoup de la coulée verte. Donc pensez-y, quartier, bar et sortie. Mmh, mmh, Vergarde de Lyon. En vrai, vers Garde de Lyon, j'y me... suis pas beaucoup allé, pour être honnête. Mais je sais que, par exemple, quand j'étais en asso-étudiante et tout, il y avait des bars où la pente, elle était vraiment pas chère vers là-bas. Et on se posait vers Garde de Lyon. Voilà, après, il y a Bastille, pas si loin. On peut tricher un petit peu. C'est vrai, on peut tricher un petit peu. En vrai, je vais essayer de retrouver le... Il euh, euh, euh. y a des ombres.. J'étais censé... Enfin, normalement, l'autofocus est verrouillé, mais j'ai l'impression que ça change. Bref, c'est très gênant ce qui se passe. On repart sur une petite, euh, sur une petite recherche d'un petit bar pas cher Garde de Lyon. Je vous dis ça tout de suite. Et bah, le, je, je vous ai trouvé un petit bar. Un petit bar qui s'appelle le Social Bar. Qui est très convivial. Franchement, en tout cas sur le papier. Je vous lis la petite description que j'ai trouvée sur le site Le Barnet. Venez participer à de nombreux jeux en duel ou en équipe. Jeux de d Blind Test, Time Out. Et bien d'autres encore. Le Social Bar. Ce qu'on adore là-bas. Une partie de leurs bénéfices est renversée à des associations. Incroyable. Ça fait plaisir. Et eh bah écoutez, le Social Bar. Hop là, de la part de Bribri. Ça fait plaisir. Et euh, let's go faire des Blind Test. Ensuite, on part sur Parc et Lieux Chill. Euh, le Bois de Vincel. D'ailleurs. Si ça fait un enchaînement coulé vers le bois de Vincennes, c'est magnifique et vous passez un très bon week-end. Écoutez, le bois de Vincennes, grand classique. Il commence dans le 12e et il se jette dans le 20 dans le... Dans, non, j'allais dire dans le 20e, dans le Vincennes, pas du tout. Il se jette dans Vincennes, quoi. Enfin, en fait, 99% est à Vincennes, mais il commence dans le 12e. Et donc, il euh, y a plein de plein de parties. Il y a, alors, évidemment, le bois avec euh, les, petits, les petits fleuves, les quelques petits lacs. Il y a l'hippodrome, il y a le parc zoologique en, en grand classique, le parc floral aussi. Après, il y a des parties que je ne connais pas. Genre l'arboretum, je sais pas ce que c'est. Je vous laisserai découvrir. C'est tu sais quoi on va cliquer On va cliquer. Qu'est-ce qui se passe Une petite définition rapidement. Qu'est-ce qui se passe Écoutez j'ai encore mieux, j'ai un avis. Au cours d'un randonnée, nous avons fait une belle découverte de l'arboretum dont l'accès est gratuit. Quelque chose pour pouvoir profiter de ce grand jardin remarquable entouré d'arbres splendides que nous avons apprécié propice à la méditation. OK. Nous avons été surpris par la diversité de leurs origines, un cadre de verdure reposant pour une bouffée d'air plein cœur de Paris. C'est fort. Ah mais voilà, l'arboretum, un jardin botanique, j'imagine. Voilà, ça me fait plaisir. Je viens de voir l'INSEP là-bas, là mais oui. Non mais c'est fou. Alors, petit contexte, j'ai fait environ 10 ans d'athlète. Et euh, pendant mes années lycée, j'étais à fond dans les compètes et tout. Et donc, je me suis retrouvé à faire des compétitions à l'INSEP Stade de fou. Aura de fou parce que c'est les, les meilleurs français. Euh, c'est les meilleurs sportifs français qui sont là-bas. quoi C'est l'élite euh, du sport français qui est là-bas. Et donc, d'aller là-bas pour faire des compétitions, t'étais étais un peu dans le move. Quoi. Tu te sentais un peu frais. Voilà. Euh, en sprint, j'avais pas un niveau euh, de fou. Enfin, j'avais un bon niveau euh, départemental et euh, interdépartemental. Mais sinon, j'avais un meilleur niveau en longueur. J'avais un niveau national et tout. Je me faisais, je me faisais kiffer. Mais euh, ouais, putain, ça me ramène à mes années. Euh, quand j'avais euh, 16-17 ans là. C'est fou. On en parlera peut-être plus tard. Ah, j'ai une vie aussi à côté des vidéos. Hein. Arrêtez là. Ok on passe aux frips. Et eh bah ben, écoutez, nouvelle fripe que j'ai trouvée sur les bonnes 5. Franchement elle va tomber sur mes doigts Elle va se dire mais c'est un malade. Il, il, il a repris toutes mes adresses. J'en ai appris deux, ça va. Non, deux ou trois. Deux ou trois. Ça fait plaisir. Et eh bah ben, la friperie s'appelle... Untucked, et il y a un étage tout à 8 euros. Donc, euh, que, peu importe ce que vous trouviez, euh, haut, bas, accessoires, tout à 8 euros. Donc voilà, je trouvais ça sympa euh, de pouvoir s'habiller pour moins de 10 euros par article. Comme d'hab, on kiffe. Hein. Deuxième boutique seconde main, euh, là, c'est plus une ressourcerie solidaire. C'est simple, tout est gratuit. Voilà, non, mais, euh, voilà on va pas se mentir. Tout est gratuit. Ça s'appelle la boutique sans argent. Et en gros, tu peux y retrouver euh, plein de choses des vêtements, de la vaisselle, des livres, euh, etc., etc. Et la particularité, c'est que tu as le droit à 5 articles gratuit donc moi je trouve ça trop cool même si d'ailleurs vous avez juste des choses à donner allez leur donner parce que la boutique existe par le don et d'ailleurs si vous y allez pour récupérer des articles et tout il y a un euro de participation pour participer au fonctionnement parce que c'est beaucoup de bénévoles quoi donc voilà je voulais vous partager ça parce que c'est quand même rare et que la vidéo avait bien bien marché sur un ça j'étais content d'ailleurs je soupçonne assez drôle il n'y a pas si longtemps que ça ouais il y a quelques semaines il y a Hugo posé qui a fait une vidéo euh, vivre à Paris avec 0 euros et il tombe sur la boutique sans argent je soupçonne le fait qu'il soit tombé sur ma vidéo et qu'il ne m'ait pas invité pour, pour faire la visite avec lui, quoi. Voilà, voilà, j'aurais kiffé, j'aurais kiffé. Écoutez, on enchaîne sur le traditionnel nous anti-Gaspi. Et je dirais les traditionnels nous anti-Gaspi parce qu'il y en a deux dans le douzième. Il y en a un à Le, à le Dru Rollin et un deuxième à... Oui. je rappelle les classiques, Noantigaspi c'est une épicerie euh, qui revend des surstocks, des invendus, des supermarchés, ce qui fait que ça nous revient à peu près entre 30 et 50% d'économie par rapport à un supermarché traditionnel. Et en plus de cet avantage-là, les étudiants ont moins 10% de jours dans la semaine avec, euh, grâce à leur carte. Donc c'est génial, vraiment ne, loupe, ne passez pas à côté du, de no Antigaspi, quoi. Voilà, c'est la base. Écoutez, moi ça m'a fait kiffer. Voilà, on a fini pour les bons plans du 12e arrondissement. Comme d'hab, si vous avez des bons plans dans le 12e que je n'ai pas mentionné, notamment un Resto, là, mettez-moi ça en commentaire. On est ensemble. Ici, évidemment, la carte, ma carte Google Maps, c'est le premier lien. Si vous n'avez pas vu l'épisode sur le 11e, allez le voir, il est juste ici. Et si vous n'avez pas vu l'épisode sur le 13e, il est juste là. Voilà. Merci à vous. On a, on a passé la moitié, là. Fire. On a passé la moitié des épisodes. Mais en vrai, c'est un kiff. C'est un kiff. Donc euh, voilà, on avance. On avance. Gros bisous. <tousse> hey, hey.